Allez, on commence à rassembler les participants. Nous allons pool dans le Discord. JPP, bonsoir. JPP, nous allons pool également. Ayumu, bonsoir. Ayumu. Salut. Bonsoir à vous deux. Comment vous allez? Ça va, ça va. Très bien, très bien. Le vieux et la moins vieille. Non mais putain, mais j'hallucine. J'hallucine. Le mec, il m'a appelé le vieux, quoi. Il m'a appelé le... Bon, en même temps, c'est vrai que ça se comprend du haut de mon âge vénérable de 28 ans, ça se comprend, quoi. Ah non, c'est moi le vieux. Parce que je suis vieux. Ah, pardon, excuse-moi. C'est normal, hein, les vieux, hein, ce que je suis en train de faire. Vous ne voyez pas une espèce d'épaule qui bouge toute seule? C'est parce que je suis en train de fermer mon volet, j'ai oublié de fermer mon volet. Je passe juste dire coucou, je suis pas dans un état lucide. Ok, chichi. Mieux vaut ça qu'une phrase à base de diarrhée. Bonsoir, Curie, comment tu vas? Curie, qui depuis aujourd'hui est très photogénique et magnifique à la caméra. Comment tu vas, Aldruin? On a Berlingotine qui arrive. Alors attendez, je vais balancer les liens aux personnes concernées. On a Sodash également qui nous fait un petit coucou. Est-ce que JPP, c'est... je t'ai passé le lien. Tac, tu l'as reçu. Sodash, on va l'envoyer aussi. Paf! Ça va, Poul Sodash. Bonsoir Sodash, comment tu vas? Et très très bien, je suis juste en train de démêler mes écouteurs là. Ouais! Je sors des toilettes, figure-toi. Fantastique, Shinui. Je suis en Normandie pour le week-end. Alors, les toilettes normandes sont bien? Comment sont les toilettes normandes, Chichi? Et qu'est-ce que tu as à foutre en Normandie pour le week-end? Un peu de vent. Ah bah oui, là, ouais, en ce moment, ça doit être pas mal, ouais. Ça doit être le feu. Ah! S'il y en a d'autres personnes qui ont envie de join, n'hésitez pas à faire signe. Alors Berlingotine, j'ai oublié de t'envoyer le lien. Est-ce que Curie, t'as envie de venir ou pas? Curie ne s'est pas manifesté, peut-être qu'il a envie de faire autre chose ce soir. Berlingotine, où est-ce qu'il est? Non, mais c'est... Je me tourne vers les joueurs habitués. Ils connaissent si bien sa communauté. Bah, c'est-à-dire... Non, mais c'est pas ça, c'est juste que je sais que des fois, les gens passent comme ci, comme ça. Voilà, j'observe, c'est tout, observateur. Voilà. Un analyste finalement. Tout à fait. Eh bien, bonne soirée à toi, Chichi. Putain, c'est horrible les viewers. J'ai pris un gaviscon avant le début du stream. On mange un peu gras en ce moment. En fait, la semaine dernière, on a fait un repas. C'était la semaine dernière? Oui, c'était la semaine dernière. Il y a deux semaines, on a fait un repas en famille. On a bouffé un peu lourd. Et depuis, on mange un peu gras chez nous. Et en fait, on a des petites acidités. Et du coup j'ai pris un gaviscon, mais c'est horrible, c'est affreux. Je peux venir stade la place, mais bien sûr Aldoin, bien sûr. Attends, je t'envoie le lien. Paf. Mesdames, messieurs, d'ailleurs ce soir en fait, vous en rendez compte, mais il n'y a pas Tom, puisque commence la saison de Koh Lanta, et malheureusement Tom ne peut rater aucune messe. Voilà, sa religion lui interdit hein, de rater la messe, donc voilà. Voilà, ça n'existe pas. Ouais, donc c'est moi qui représente la communauté de Tom avec Aldruin. Ouais, vous représentez la commune Tom. Enfin, je sais pas si Aldruin. Le gras, c'est la vie. Alors, oui, Gerder, mais quand ça te fait roter, bof. Voilà. Le gras, ça fait roter? Alors quand on mange trop, quand on consomme trop, ça te fait des remontées acides. Ah ouais. Ah, ça c'est horrible. Ah oui, mais ça arrive à tout le monde. Hello Curie. Mais du coup, Aldruin, ça veut dire que tu n'as jamais fait de marathon gras. Enfin de marathon gras. Non mais je veux dire, t'as jamais, tu vois, genre eu des repas trop gras, mais c'était sans faire gaffe. Genre tu sais, tu fais des légumes, tu sais, tu te fais des petits légumes à poêler. Sauf que tu te plantes et t'as mis une quantité d'huile absolument immense, tu vois. Des trucs gras, moi j'en mange tout le temps, je me suis jamais posé la question. Ah ouais, mais ça te fait jamais des gens, en fait. Non. On parle de quoi? Non, j'ai pris un gaviscon avant de venir en stream et c'est horrible. Un quoi? Un gaviscon. C'est les trucs anti... C'est les... d'estomac. Voilà, c'est un truc, ça ressemble à un petit filoutube, mais c'est un goût de dentifrice et ça soigne les maux de ventre. Enfin, les mots de genre dans assez, les pubs, hein. Tu vois que les gens ils sont en très grande difficulté, puis ils prennent un gaviscon, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, je sais pas s'il y a des pubs pour le gaviscon. Je sais pas s'il y a des pubs pour le gaviscon, mais en effet, c'est facilement le genre de pub. C'est facilement le genre de pub. Un peu les pubs comme genre l'isopaïde. Oui. T'en ressembles les A.
Et on coule Berlingotine dans le vocal. Allô, Berlingotine. Aldrin, je t'ai envoyé le lien du coup. C'est juste moi qui suis en train de mettre 2 heures à trouver un avatar. Ok, ok. Ah oui, l'avatar roulette. Mais... En vrai, j'en ai trop nul cet avatar roulette. Cool. Et si vous parliez de poids sur les repas gras? Pourquoi on peut le changer? De quand tu manges trop gras, quand tu fais une fat streak. Tu vois, ouais. Comme on dit dans le milieu des gamers, hein, une fat streak, une grass streak, si tu veux. Tu finis par avoir des remontées acides. Ah mais enfin, le gras c'est quand même... C'est vrai que c'est quelque chose... Je suis parti en vacances. Ouais, sûrement, avec de la famille. Je te crois pas. Et genre, ils mangeaient que du gras. Et genre, c'était vraiment à base de saucisson de lion. Ah bah oui. Raclette. Ah mais c'était... Bah oui, ça c'était les vacances au ski, ça, ok. les petites vacances au ski à base de tartiflette. Je ne peux pas manger. Ah bah au moins tu sais pourquoi, est-ce que t'as aucun problème avec le vent quand t'es sur les pistes, hein. Là, c'est... Y'a pas de problème, pas t'es compact. Genre je trouve genre c'est un mauvais mélange en fait la tartiflette. Ah non, ça la tartiflette c'est excellent la tartiflette. Ah, déjà de base tu mets du reblochon, des lardons et de la crème. Ah non mais moi justement j'aime pas du tout. Genre vraiment je trouve ça écœurant. Déjà les mecs ils se sont dit on va mettre du reblochon et de la crème dans le même plat. Amen. J'ai envie de dire les gars vous êtes des génies. Le saucisson de lion, je suis désolé mais c'est beaucoup trop. C'est trop loin dans le gras. Ouais. C'est pas le gras, le problème du saucisson de lion c'est que c'est merdique. Ah moi je me souviens quand j'étais allé à Lyon, on était allé avec ma famille, on était allé dans une ferme ou un truc dans quoi où ils font du saucisson de lion et j'en avais acheté un giga paquet avec tout. Saucisson avec du fromage de chèvre incrusté et tout. Le sursaucisson. Le sursaucisson. Oh là là. Alors attendez. Juste un petit détail à régler. Voilà. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut avoir un petit moment où tout le monde a les cordes vocales chauffées pour un petit. Pour une petite chanson. Pour Ayumu. Puisque c'est son anniversaire. Donc on va y aller. D'accord ? Ok, juste, est-ce que je peux tousser avant ou pas ? Parce que oui, vas-y, tousse avant, mais mute-toi avant, mute-toi. Moi j'essaie de trouver une bonne piste. C'est terrible parce qu'il y a que des Happy Birthday Lo-Fi, c'est affreux. Du coup, voilà, on part en quelle note ? D'intro. Attention. Non, 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 non. 3, 4. Ah putain, est-ce que. C'est foiré. J'essaie de faire un truc bien avec le stream. J'essaie de faire un truc bien, attendez. Je sais pas, il devrait pas y avoir de gris. Enfin, pour 3, pour gueule, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Et bois plein de bière! Bravo! Bravo, bravo! Et Discord n'a même pas fait de la merde! C'est vrai, alors après, on n'est pas en train de bugler comme des veaux aussi. Je pense qu'on n'est pas en train de saturer le vocal. On est assez nombreux aussi. Ah, c'est vrai que c'est plus quand on est 20 que ça explose. Mais enfin, tout de même, ça te fait quel âge, Ayumu, du coup? 26. Ah, l'âge de raison! Ah le temps passe, tu rejoins bientôt le club des gens qui ont le vénérable âge de 28 ans. J'ai pas laissé le temps au choix pour une phrase. Ah oui. Pardon Yumi, mais je t'ai pensé plus jeune. Ouais, je sais pas pourquoi je t'ai pensé plus à 17-18 ans en fait. Ouais. Et bonsoir Dragon. Ça doit alors, être voilà. Ok. Je tiens à m'excuser auprès d'une personne. Bonsoir, Dragon, du coup, comment tu vas? Ça va déjà être de la merde. Il y a un caca. Non, mais heureusement que Chichi n'est pas là. Non, on n'a pas de Chichi, donc normalement, on n'a pas trop de caca ce soir. Mais on attendez. Sait jamais, hein, que... Des neiges. Oh, oh là là. Attendez. Terrible. Ça a la reine de neige. J'ai pas mis de reine de neige. Ça va pas du tout ce que j'ai je suis en train de faire. J'ai pas de reine des neiges.
neige. Ah, ce serait un mon thème, ça. Mon dieu. Moi, j'espère qu'il y a juste une personne qui a pas eu mon dessin, parce que du coup, c'est... Alors, attends. Celui de Chou. Je suis pas sûr. Voilà. Ok. Faut se rappeler qu'on a le temps hein, sur ce jeu, hein, c'est... Ouais, ça c'est bien. Oh putain, je dois faire un truc en... Oh non, zut. Je vais faire de la perspective sur un truc. Ne fais pas de perspective. Mais attends. Non, j'ai peur. Je suis obligé. Sinon c'est pas possible. Ok. Je sais pas si je suis en gomme. Et autour, il y a un petit machin comme ça. Oh merde, je l'ai baisé. Je l'ai... Oh non. Ok, J'espère que ça va être clair. Ah, que je peins. Déjà, la ligne de fin. Non. Pas comme ça. Comme ça. Je me rends compte que je suis dégueulasse. Comment tu représentes ça, quoi? Bah, je ne sais pas. Et j'espère que... Ah là là, on a si peu de temps. C'est bon, normalement c'est bon. Je me rends compte qu'il y a une partie du mot que je me dis que j'allais jamais pouvoir le représenter, mais finalement, vu que j'ai très mal dessiné, ça marche. Ça mourra tant que je réussis. Mon dessin, ça va. Il est bien, mais... Enfin, il est moche, mais il est bien aussi. Il y a Gerder qui a lâché un encurie. Pose cette perspective, fais pas le con. Quoi? Non, putain, c'est quoi ça? Quoi? Oh! La personne qui est tombée sur mon dessin, je suis désolé, hein, genre c'est vraiment un niveau. Oh, putain, j'arrive pas à savoir ce que je vois en fait. L'apéro a dû être corsé, je suis certain. Hein. Je sais pas si je suis bon en orthographe. Ah, c'est bon. Il y a un correcteur orthographique si jamais vous avez envie. Semblingue. Bah ah là là là. Ah forcément ce dessin allait tomber à un moment. Ok. Ok. Ah, alors je vois un mélange de deux trucs, mais je sais pas si c'est juste si j'ai pas la ref ou si c'est juste que c'est deux choses. Attendez. J'aurais dû me préparer à le dessiner ce truc là. Ah ils ont vraiment fait ça là. Ah mais je sais pas le dessiner. Ah je sais. Je sais vraiment pas comment. En vrai cette semaine j'ai remarqué que mais j'avais un problème avec mes A majuscules. C'est que souvent je faisais la barre trop du haut et du coup en fait ça faisait un peu. C'est terrible. Ah mais oh. Allez là. C'est terrible ce que je suis en train de faire. C'est terrible, c'est affreux. Mais il se moque de nous. Pas faire des traits droits. Non, on ne chante pas le dessiner. Tiens, regarde. Oh là là, oh je lui fais un petit. Ah là là, c'est terrible. Je vais pas avoir le temps de faire l'autre moitié du dessin. Attendez, comment ça se dessine ce truc-là? Pourquoi ça ressemble? Oh là là, ça va être galère. Tirez votre plan. J'aime bien, je devais dessiner 3 images, j'ai l'impression d'avoir fait 3 chiens.
Alors que les trois sont pas censés déchirer. Pas beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Ah! Ok. Ouf! Quoi? C'est cette merde. Attends, c'est quoi ça? Ah, oh, j'ai pas la ref. Pas. Attends. Je sais vraiment pas. Isoké. Ouais, j'ai le chat qui valide mes dessins, mais après, bon, je pense que vous êtes pas impartiaux, les viewers. C'est le problème. Je pense que vous êtes pas impartiaux. Je pense que ça va pas. Quoi? Ah merde. Je perds du temps. Ok. Ah qui a écrit ça? Du coup. Tac, tac, tac. Ah mais non! Pourquoi je sais pas faire des trucs de là? Enfin, centré plus que là. J'ai le même problème. Alors. Ça puisse être dans ces couleurs-là, je pense. Non, mais non. Ah, j'ai pas fait le front assez grand. T'as, par contre, je sais pas ce que c'est leur algo de remplissage de pixels, mais ça va pas du tout, hein. Ah putain. Quelle indignité, je sais vraiment pas comment le dessiner. Attends, s'il faut que je le refasse, c'est un peu impossible que j'y arrive. C'est dur d'écrire en petit. Ah mais écrire en gros, ça comme il est en train de dégueulasse. Ah non. Je vais avoir un peu. Et comme d'hab, j'ai toujours ce problème que la partie droite de mon dessin, bah y'a rien. C'est vide. Ah, moi j'occupe bien l'espace là. Je pense que c'est assez le malaise. Je pense que c'est suffisamment le malaise. Mon dessin, il est mitigé. Vraiment, je sais pas comment continuer. J'ai vraiment l'impression de dessiner comme un enfant de 5 ans, c'est gore. T'inquiète, je crois que c'est un peu pareil. T'inquiète. Moi j'ai l'impression de... Non, enfin, vraiment, je vois des gens qui ont du niveau, alors que... Moi j'arrive avec ce dessin, genre... Non, mais c'est parce que t'as pas vu... Full bâton et tout. T'as pas vu mes dessins. C'est quelque chose, Gerdard, ça doit te dire quelque chose dans ton milieu professionnel, ça doit te parler, ça. Ouais, il faut installer les tablettes graphiques. Ah mais oui, mais en fait j'ai une tablette graphique. Alors. Ah! Quoi? Merde, comment il s'appelle le mec qui fait ça? Merde. Pourquoi la vipère? Putain, il y a pas de place. Ah, tant pis, hein. Ah! Oh, mais c'est nul! C'est toi qui es nul. Bah, dis-moi, y'a pas de place! Putain! Oh, vas-y, bah voilà. Ah, dommage. Alors, narration! C'est parti! Ah, oui, c'est vrai, il faut que je fasse cette modif. Il faut que je mette YouTube pas fort du tout. Et que je blinde le son. De la petite voix. De la petite voix. Ok, vous êtes prêts, les viewers? C'est parti. Hop. Alors, j'avais commencé par écrire. Quand il mange un saucisson. Parce que je n'avais pas d'idée. Oh, c'était un. Ah. Alors, il est pas très gras quand même. Plus qu'il découpe une sangsue. Mais... Un monstre et un couteau. Il découpe une sangsue. Aïe, aïe, on a perdu le saucisson et le crocodile. Oh là. Ah oui.
Ah oui, non mais c'est pas mal, Berlingot, c'est pas mal, c'est pas mal. Un ogre qui fait copain avec un couteau, ils sont heureux. Ils sont heureux. La précision. Shrek. On dirait Shrek. Ça. On dirait une banane. Un extraterrestre sourit à une banane. Tu l'as mangé. C'est dommage du coup. Ouais. Alors j'entends attendez. Le loup, le renard et la belette. Ah, je pense que c'est allé au bout, hein. Il y a eu mon niveau. Manon, j'entends le loup, le renard et la belette. Moi, c'est Manon qui m'a l'avoir reconnu quand même. Et oui, voilà, c'est la. On est d'accord, c'est la tribu de Dana. C'est Dana avec le qui entend le. Non, c'est pas la même chanson quand même. Oui, mais c'est le même auteur. Ah, Twitch qui n'a rien dit. Ah oui, forcément, du coup. Eh oui. J'entends bon, le coup, loup, le facile, renard hein. Et la belette dans la vallée 2. Dans la vallée de Dana. Mais c'est pas les mêmes chansons. Rien à foutre. C'est le même auteur. C'est le même auteur. Alors, une Twitch. Pub sur la qualité de Windows 10. Ah, je pense qu'on y était eu. Presque. Aldrin, je suis content qu'il l'ait eu. Un écran rectangulaire affichant que W10 c'est bien. Salut, et là finalement, là on peut voir à quel point je suis minimaliste. Ah oui, effectivement, et c'est très. Windows, c'est très minimaliste c'est cool. En effet. Moi je me suis dit que j'allais m'inspirer des plus grands et que j'allais reprendre les emotes Teams. Finalement, Windows avec un smiley nice. C'est pas nice, c'est nice. Ah, on a trop vite perdu l'aspect pub. Hein. Ouais, bah en fait, le truc c'est que la première image, ça donnait pas l'impression d'une pub. Mais... Ouais. Une mandarine qui raquette une bouteille d'oasis. Ah, ça c'était pas facile, hein. Je suis tombé dessus, c'était pas simple, hein. Elle était incroyable celle-là. Genre, mais moi j'étais. Genre, j'avais fait un dessin juste avant. Genre, c'était le lourd renard et la belette. Et moi, franchement, je vois son dessin il est incroyable. Ah bah, après, voilà, il faut. Orange qui raquette un soda. Ah oui, et du coup, on a perdu la bouteille d'oasis. On a changé le. Mais. Le racket est resté. Pratique le grand banditisme. Putain, mais Curie, pratique le grand banditisme. Mais putain. Et oui, du coup, on n'est plus sur un racket. Emo-us. Ah oui. Ah bah, c'est dommage. Ça a tenu jusqu'à la fin. Ça ressemble. Ah, par contre, c'est incroyable, le grand banditisme là, avec la canette choquée. Un inclin, Splatoon, qui peinturlure une gâteau d'anive. Oh putain. C'est tombé sur Ayumu. C'est tombé sur Ayumu, forcément. Un inclin à Ayumu qui flingue ses bougies d'anniversaire. C'était pas facile, hein. C'est dur à faire un inkling, sans déconner. Fille qui éteint ses bougies de gâteau d'anniversaire. Ah bah il y a plus de place. Il y avait plus de place. Là on est carrément passé sur une jeune fille Godzilla là. Trump qui crache sur le gâteau d'anniversaire de Ayu. La méchanceté. Trump crache sur ton gâteau Ayumu. Comme quoi c'est américain. Un ordinateur qui arrive sur Mars. Ah c'est ça que j'ai eu. La NASA fait atterrir Linux sur Mars. Oh bah, au moins, on est resté sur Mars. Je crois que c'est resté. Mars. Ah, ah c'est Mars. Linux s'embarque dans une fusée de la NASA au Japon. Ah. Depuis quand la NASA envoie des trucs au Japon? C'est rien, moi, il y avait un drapeau japonais. Événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Des sciences. J'ai presque des points de Curie. Alors, on a presque fait un bout en bout, si ce n'est que Curie, du coup, est devenu extrêmement évasif. Henri Pot de Fleur et l'ordre du BMX. Ah donc j'avais raison. J'avais raison. Ah. Harry Potter avec des vélos sur des balais. Ah ouais, alors c'était pas un vélo, je crois, mais... Moi, je connais l'ordre du BMX. Harry Potter fait du scooter sur son Imbus 2000. Ça tourne mal.
Ah, du coup, moi, j'ai juste fait un scooter de 1000. Ah, t'as fait un scooter de 1000 scooter sur son Imbus 2000 électrique. Ah, ouais, ouais. C'est fou que le Harry Potter, il ait survécu à tout ça, quand même. Non, mais Harry Potter, tu fais un Z sur un fond à un mec, c'est bon, c'est Harry Potter. J'en reviens vite. Au de Japon, secondes. C'est l'Ajaxa. Ouais, ouais, bien sûr, pas de soucis. Je vais essayer d'aller trouver ma tablette graphique, là, vu qu'il sait pas une que phrase. Un peu. Prenez le temps de réfléchir à une phrase en attendant. Et si on a des viewers qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, faites-nous savoir. Bien évidemment, nous vous rajoutons. Évidemment, évidemment, les viewers sont invités à participer. Alors, en attendant, faut que je trouve une phrase, moi. Moi, j'ai déjà cherché tout à l'heure. Pas j'en ai déjà. Simple. Pas simple. Je regarde juste vos magnifiques dessins avant d'aller dormir. Ouais, je comprends, Dragon. Il te faut du Dream Fuel. Aïe. Il te faut de quoi rêver, c'est important, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu vas rêver, hein. Je sais pas où me concentrer, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. J'ai du mal aussi. Mais... Ouais, ça va, je crois avoir trouvé une petite phrase sympa. Moi je sais pas, j'ai un mot. Ouais, je crois que j'ai une phrase. Moi aussi. Moi j'en ai une dizaine depuis ce mois. Alors on attend juste encore Swodash. Bah écoutez, là je suis en train d'installer les drivers de ma tablette graphique. Mais ah oui, d'accord. Et je l'aurai pour la prochaine game. Ok, c'est parti. Putain, par contre, c'est fort. Oh là, je me trompe de câble. Ok, c'est bon. On va voir ce que ça va donner, on va voir comment les viewers se sortent de cette histoire. Mon histoire va être dure à dessiner, désolé pour la personne qui l'aura, mais voilà. Je sais pas, moi mon histoire, je pense que... Elle va pas être retranscrite comme je l'ai écrite, mais au moins, je pense que l'idée peut être transmise. Je veux que ça soit Pocket qui tombe sur ma magnifique histoire. L'important, c'est de transmettre un concept. Allez, mais putain, qui a écrit j'ai ça pas le temps de terminer ma phrase. Qui a écrit ça? Mais je vous déteste. J'ai pas le temps de terminer ma phrase. En vrai, moi, ce que je vois là, je sais pas comment... Enfin, je pense que ça va pas se conserver. Comment est-ce que je dessine ça, quoi? Ça, c'est sûrement moi, là. Ouais, j'ai fait une phrase, elle est pas très... Elle est pas très cool. Je m'excuse, moi, j'ai pas fini ma phrase, hein, donc... voilà, tirez votre plan. Et je fais comment, alors? Je vais dire brancher mon clavier. Oui, je tape sur le câble. C'est quoi ça? Je sais plus c'est quoi. Non. Ah bah j'allais faire une référence puis je me suis rappelé qu'il y avait des Belges dans l'assistance. Bah non mais parce que enfin moi je connais pas le nom de vos organismes, du coup vous connaissez pas les nôtres. Bah ça dépend. Mon dessin il est horrible, je sais pas parce que moi la compréhension de mon dessin ça se joue à un détail. Du coup si tu le rates, je comprends pas. Dessin, il est horrible, vraiment.
Encore une fois, pardon à la personne qui l'aura. Moi, j'ai pas fini, mais j'ai même pas pu tout écrire, donc je me suis... Je vais jamais être reconnu, c'est horrible. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est tous partis sur un thème de... notre truc, ça va être... ça va pas être reconnu. Aïe, 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 moi je pense que là, c'est... Je pense que mon concept était trop compliqué à faire passer. C'est Nawak qui veut pas corriger ça. C'est chelou à faire comprendre. Genre, c'est-à-dire que je pense que la personne qui va voir mon dessin va pas comprendre, mais quand vous allez voir le truc à dessiner et le dessin, vous allez dire « Ah, c'est malin. » Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est pareil pour moi. Ouais, le chat me dit « T'as fait ce que t'as pu, moi. » Ah ben là, par contre, je crois qu'il y a une ref à avoir, du coup, mais... Je ne l'ai pas. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Quoi? Alors. Allez, on va taper ça au hasard, en tant que techniste. Hein. Putain, il manque un... Bon, c'est pas grave. Quoi? Oh, mais... Ah, moi, il manque un mot, mon truc. C'est pas, c'est quoi? Oh non! Enfin, j'en sais... Bon. Oui, s'il manque des mots, c'est le mien. Je vais faire ce que je peux. Mais je vous garantis pas un résultat final. C'est quoi? Ah mais c'est ça. Hop. C'est complicado. Ah c'est complicado là, mais mon dessin il est finito et tout. Là. Il est finito carrément quoi. Ah il est finito carrément. Exact. C'est. Ah mais Twitter qui est incroyable en ce moment. Quoi? Pouah, moi c'était contre la montre hein. Il va falloir se calmer avec les Mario quand même. Hein. Je dis ça, mais... Quoi? What the fuck? Merde, putain, il y avait pas. Eh, hey, franchement, j'ai l'impression qu'il était super court celui-là. Les viewers sont fiers de ma description. Non. Quoi? Non, mais qui a dit? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Non, mais. Désolé.
Oh là là, j'ai fait un truc, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est refaire un dessin, mais vraiment moche, et pas faire un homme bâton. Mon dessin n'est vraiment pas compréhensible. Hein. Oh, ah, sa race. Moi, je pense que je peux pas faire plus... plus fidèle à ce qu'on m'a demandé de dessiner. En vrai, ça va. Il y a peut-être juste le mot, je l'ai pris dans le mauvais sens. Enfin, j'ai pas fait la bonne... C'est le même nom, mais pas le bon. Je sais mieux qu'elle est ratée d'office, je n'ai pas terminé. Et bonsoir Sorud, joyeux anniversaire à Yomu, nous dit Sorud. Bonsoir Sorud, bienvenue à toi. Hello, en effet, c'est l'anniversaire d'Ayumu Sorud. C'est l'anniversaire d'Ayumu Sorud. Comment tu Sorud vas Sorud? Mais non, putain. Oh là là. Et Harry Potter avec le vif d'or là. Hein. J'ai l'impression que là, ça dure moins longtemps, les trucs de... Ah, sushi avec monsieur. Bonsoir à monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à monsieur. Oh, je crois que c'est bon. Alors, j'ai enchanté, du coup. Peur de voir les résultats. Vous êtes prêts? Alors, est-ce qu'on a eu ce dessin? Waluigi déteste les petites ah, féminines. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu Waluigi. Merde. J'ai jamais eu ni des petites féminines, ni Waluigi. Ok. Il y avait de l'idée. Ah, mais c'est ça que j'ai eu. Homme dégoûté par une. Ah bah oui. Ah merde. Ah, ah oui. Forcément, homme dégoûté par une. Ah oui. C'est sûr que du coup... Ça m'est arrivé deux fois. J'ai pas pu genre finir ma phrase. Instantanément perdu. Un homme qui vomit pendant qu'on lui crie dessus. Ah oui. Il s'est cassé quoi en vomissant. La tristesse. On dirait des spaghettis. Un autre qui vomit jaune. Qui vomit jaune. Ça vomit jaune. Ah, c'est dommage, je suis triste pour moi, Luigi. La vie après la mort. Alors, merci à Yomu. JPP, est-ce que je peux juste te demander si tu peux mettre des écouteurs, s'il te plaît? Non, juste quoi, parce que on a un écho assez fort de ton côté, est-ce que tu veux bien mettre des écouteurs? J'ai un casque. Ah ouais? Ouais. C'est fou, hein. Moi aussi, t'as fait ça aussi, avec le mien. Ouais. J'ai un casque micro. Ok, ok, ah bah ok, d'accord. Je sais que je vais bientôt le changer, donc je sais. Ouais, c'est peut-être... Un homme devient un saint devant okay. La tombe de ses ennemis. Ah mais... Aïe, forcément. Cette phrase était impossible. Forcément, bah ouais, mais à la base, c'était pas facile, hein. Ah, c'est ça. Ah, on aurait pu rester sur le concept, hein. Je sais pas si Curie a... Il y a un cardinal qui lève les bras. Ah non, malheureusement. Mais moi, cardinal, je l'ai pris pour l'oiseau. Ah. Wow, wow, wow. Le pire en mode ce soir va être une pure soirée. Un oiseau devant un pourri. Devant un pourri. Un pourri. Un pourri. Trop bien le cardinal qui est vu comme un oiseau, Mario, c'est génial. Mario sûr. Ah oui. Ah, Mario sûr. Ah forcément. Ouais, non mais à la base ça devait être Mario sur Xbox en fait. Mario en voyage sur la lune orange entouré de 4 étoiles. C'est marrant parce que mon dessin que j'ai fait à la fin ressemble un peu au tien, Yumu. Ok. Juste on a perdu. J'ai là il a voyagé sur Mars. Moi je vous le dis, il a voyagé Mario sur Mars. Dans les étoiles sur la L. Ah non, sur la L. Sur la L. Ah putain, Mario sur la L.
Dans les USA. Dans les USA. On a gardé Mario sur quelque chose. Et finalement, c'était la phrase de départ. Hein. Link versus Mario Supra Mario. Spoil. Supra Mario. Ça tourne mal, Kirbo les gars. C'était Link. Oh putain, mais Berlin Gotin qui a bouffé trop de terminal montage avant de venir. C'était Mario. Ah dommage, y a pas eu Kirby. Mais on voit qu'ils sont en train de se faire aspirer. Link ou Luigi, enfin un bonhomme vertu Mario. Je veux le enfin. Luigi qui assassine Mario froidement. 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 Oula. Oula. Oh là là. Tout de même. Tout de même. Bah oui, il a un L vert tire sur un M rouge. Bah oui, forcément. Avec une arme marque 1, M rougeoyant. Dommage. Ah là là, forcément. Un égout insalubre rempli de produits radioactifs mortels. Oh merde. Ah. Quoi? Au dessin, il est... Qu'est-ce qui peut correspondre à ça? Putain, c'est les portes de la Moria. Dark Soul. PS4. Otei, Demon Souls aurait dû sortir sur PS4. Alors, Otei, parce qu'il y a... Ah, maintenant la PS3 se fait. Consumeris mais au slow sans programme. Ah, ah, le concept. Trop bien. Consumérisme. Jojo, on a du bon ce soir. Oh, le concept est trop bien. Ça marche, c'est un bon truc. Le concept est trop bien et je comprends pourquoi est-ce que Curry a. Ouais. Du coup, j'ai mis Joe au carré parce que ça fait Jojo. Et il paye ses impôts. Ah, oh, c'était il met une aventure normale. Ah, il paye ses impôts. Un garçon qui regarde un truc avec marqué dessus AIMPO. Bah oui, forcément, AIMPO. Et du coup, forcément. Je forcément. Pas la référence. Il marquait impôt partout. Aïe, 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 aïe. Un gars qui regarde un panneau AIMPO. Impo. Et la voix, elle a compris que c'est des impôts. Ah là là. En fait, un on homme regarde un panneau qui ment avec l'air perplexe. Qui ment? Un panneau qui ment. Bah oui, le panneau il dit que c'est un pot à Impot. Du coup, il ment le panneau. Moi, je voulais juste faire un pot, je n'avais pas la place. C'est... Eh, ça se trouve, c'est ça, hein, Curry, le premier épisode de Jojo Normal Adventures. C'est un mec qui regarde un panneau et le panneau essaie de le convaincre qu'il est un pot. Dark Vador vole sur un balai. Ah, on l'a pas du tout eu. Pas eu Dark Vador. J'ai pas eu ça. Ah, c'est Dark Vador. Un sorcier au masque de fer sur balai avec une baguette. Ah, le masque de fer. Je sais comment elle a fini celle-là et c'est trop bien du coup. Harry Potter sur son balai. Le Harry Potter qui a été lancé, ça y est. Ça y est, ça y est. Ah putain, Harry Potter. Et qui là, arrive. Harry Potter va faire gagner un cassette point à Gryffondor. C'était compliqué. Je reviens seulement pour la prochaine, vu qu'il faut que je redémarre mon PC. Yes. Bah prends le temps, refais ton démarrage, essaye de trouver une phrase dont on va mettre un petit peu de temps à démarrer vu que à chaque fois on trouve une phrase. Donc prends ton temps et puis au pire on lance sans toi si c'est pas possible. Okay. À tantôt alors. À tantôt comme on dit chez nous. Enfin chez eux. Ah oui. Du coup il faut trouver une. Oh c'était marrant ce. Bah chez nous si on dit à tantôt. Ok là, j'ai oui. Un mot. C'est normal, vous êtes tous les deux belges. Oui. Cette invasion de Belges. On rappelle aux viewers que si vous avez envie de venir nous rejoindre, n'hésitez pas, il suffit de me faire signe. Je vous ferai passer un message sur Discord qui contient le lien de la game. À la base, je vais mettre un pot, je voulais mettre Ursaf. Mais c'est pas normal. Mais je me suis dit, il y a Berlingo et Twitch, ils sont belges, ils vont pas savoir. Savoir ce que c'est. Bah, ouais, je sais quand même c'est quoi les impôts. Mais par contre, les citoyens normaux ne payent rien à l'Ursaf, Curry. Alors, c'est faux. Ah bon? Je pense qu'il y a plus de gens que tu crois qui doivent détruire ça.
Oh non, ma couverture, c'est quoi ça ? Bah, les auto-entrepreneurs. Ouais, bah, il y en a plein en France. Ouais, mais Startup bon, enfin, plein. Oui, Startup Nation, oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est des gens normaux. Des gens normaux en France ? Oui. On a des gens normaux. Ouais, après, on a quand même pas mal de cas exceptionnels, genre moi, tu vois. Moi, ou voilà. Toute la modération de la Chou TV. Toute la modération de la Chou TV. D'ailleurs, les viewers, j'ai trouvé ce qui allait pas avec, Dark Souls hier soir. Du coup, j'ai rebranché. C'est ma manette en fait, elle est pétée. Je pense qu'elle court-circuite les ports USB sur lesquels elle est. Je pense qu'elle a 8 ans et les piles sont plus très très, en face. Donc il est temps de changer. Oh là là, elle n'a que 8 ans et pourtant elle est déjà morte. J'aurais bien aimé la garder plus longtemps, hein. Les boutons étaient même pas usés. Le stick gauche est poncé par contre, hein. le stick gauche est... Je sais pas si on va le voir à l'écran. Il y a plus les petits, il y a des petits crans et ils sont plus là quoi. Bref, bon, il faut que je trouve une phrase moi avant qu'on lance une nouvelle partie. Parce qu'il y a des gens qui me diraient non mais t'as pas besoin de la changer, il suffit juste d'ouvrir à l'intérieur pour voir ce qu'il y a ici, va pas. Alors honnêtement, j'aurais dit oui si j'avais pas fait le fameux pet câble que vous voyez ici là. Vous savez le fameux truc où vous roulez votre manette et en fait vous pliez le câble au bout. Parce que vous êtes con. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée ça, hein. Tu sais, de plier le câble au bout. J'aime parce que là tu as des mails, du coup il va falloir la remêler. Ouais, mais en vrai, c'est oui, j'aurais manette. Pu l'ouvrir et. Mais bon. C'est une manette de 360 ? Ouais. C'est impossible de les garder en bon état. Bah écoute, moi elle avait. J'ai fait mon mieux avec la mienne et elle a fini par avoir un vieux faux contact au bout d'un moment et. Alors que les manettes de Xbox One, au moins tu peux débrancher le câble quand tu l'appuies. Et clairement, bah t'as beaucoup moins d'emmerdes du coup. Vu que le câble tu peux le changer et tout. T'as signé que Microsoft s'est amélioré ? Ils se sont améliorés. Bah en même temps, ils ont mis de la. Tellement loin. Ouais, c'est ça, ouais. Après, en vrai, on va pas se mentir quand même, les manettes de Xbox One. C'est, de Xbox 360, c'était déjà une énorme amélioration par rapport aux manettes de Xbox normales. Bon, ça me c'était pas difficile. Hein. Mais les manettes de Xbox de base, c'était des fléaux d'armes. Bon, les viewers, c'est parti. Vous êtes prêts ? Vous avez tous une phrase ? Ouais. On y va. Qu'est-ce que je voulais écrire déjà ? J'ai oublié. Ah, c'est bon. Peut-être le changer, je peux mettre un truc plus marrant là. Peut-être un truc plus marrant, je pense. Non, t'es mauvais, ce sera pas marrant. Allez, viens, on met ça. JPP, tu te calmes avec la Reine des Neiges, oui ? Tiens, je vais me faire un trait de chauve pour la peine. Oh, direct devant moi, nous sommes quand même. En vrai, moi, ça va, je peux écrire sur mes dessins parce que j'écris mal. Ok, Attendez. Non. Je pense que c'est comme ça qu'elle est. Oh, j'ai pas dessiné des cheveux. Y'a pas. Oh, il prend toujours des machins. Bon, je sais pas dessiner des cheveux.
sinon. J'ai jamais y arriver. Crois au pouvoir de l'amitié. Ouais. Crois au pouvoir du Ryuji, crois au pouvoir. Ah, crois en Ryuji, Ayumu. Bon, ça devrait aller alors. Parce quoi avec Ryuji? Je pense que normalement c'est comme ça. Bah, Ryuji c'est le best boy quoi. Ouais, ouais, c'est le best bro. En plus, il est sportif et tout. Ah! Ah, oh, vite, faut que j'ajoute des détails à la piste. Ça va être mal interprété en plus. C'est le but, c'est un peu le but de ce jeu en fait. C'est n'importe quoi. De mal interprété. J'ai pas dit tout le temps. Oula, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Quoi? Mais qui a écrit ça? Bon, il y a sûrement une référence. N'étant pas un gros streamer, un gros player de tchou. Ça trouve, y a pas du tout de référence, c'est juste qu'on t'a pas reconnu. Ouais, effectivement. Oh. Ah, attends, ouais. Quoi? Oh, ça, à quoi ça ressemble ça? Ah ouais, ah, oh, ça ressemble à ça, ok. Alors, je vous promets pas de bien le faire, mais... Au moins, j'espère que vous serez fiers de moi. Pour avoir essayé. What the fuck? Ouais, Jardin, j'étais pas convaincu non plus par mon dessin. Puis là, je suis pas convaincu non plus par la phrase. Là, je suis pas. Cette session là, on l'a vu plus énervé. Ah, hein. Il y a des moments, c'est. Il y a des moments sans. Pour qu'après, il y a des moments sans. Tout à fait. Ah, on finit sur le dessin du coup. Pour qu'on passe à pair. Tête Benoît. Ok. Ha ha ha.
Putain, mes étoiles, elles sont dégueulasses. Jamais su dessiner des étoiles. Même temps, dessiner des étoiles avec une souris, c'est chaud. Ouais. Ouais, moi je suis pas mal hein, en vrai, je pense. Mon dessin était pas très très compliqué. Tu vois, moi en vrai, mon truc, je pense que ça passe. Enfin, je suis pas sûr que c'était l'idée de base de la personne, mais. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Sakurai refuse le partenariat Dorito X Smash. Je pense que ça a été perdu. Sakurai, il est trop beau. Pas de Smash. Pas de Smash ! Smash. No! Ah, c'est dommage qu'on ait pas eu un Super Smash Bros. Becky l'aimait Smash. No more. No more. Aïe 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 aïe. Ils sont tristes. Il y a toujours la notion de refus. Il y a toujours la notion de refus, c'est vrai. Bowser en prison. Oula! J'ai pas eu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai pas. Ah! Une mouche avec des pics au fil aux pressions d'un frigo mal. Eh oui, voilà, malheureusement c'est compliqué. Ah, c'est un frigo. Ah, merde. Malheureusement, c'est compliqué. Une mouche puis une porte maléfique contenant un lingot d'or. Aïe 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 aïe. J'ai oublié mon lingot d'or. J'ai oublié mon lingot d'or. Porte maléfique. Putain, mais vraiment, mais. La porte maléfique. Je vais venir un t-shirt. Je vais venir avec un t-shirt avec marqué Pokéchou dessus maintenant en stream, comme ça vous saurez. Pokéchou en reine des neiges. Forcément le bail. Franchement. La reine des neiges Pokéchou et son trait de chauve. Je suis la porte gentille. Tout à fait. Pokéchou fait un stream avec un cos qui chante. Avec un cos qui chante. Oui, parce que ça s'est arrêté quand j'étais en train de modifier le truc. Je vais mettre un cosplay de Elsa. Ah. Ah ouais. C'est quoi un cos. Tu manges le micro, mais. Enfin... Ouais, bah je mange le micro. C'est fréquemment. Hein. Chenitan communiste se révolte contre The Rock. Regarde, j'ai eu ça, moi. Ah. The Rock. Bien joué. Bien joué. Un chenitan communiste souhaite renverser les dresseurs PKR. Ok, 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 ok. On a le chantiment, le... Ah ouais, bah le... On a le chenitan communiste et la révolte qui sont là. Ah, bah, ah oui. Ah oui. Bon, bah derrière, ça un a pas Pokémon été... Un Pokémon mutant shiny se rebelle contre les dresseurs. Soda. Voilà, ah, malheureusement. Ça n'est pas passé, le chenipan a été une perdu. Une tapisserie, un pi qui cache un mystérieux trésor. C'est quoi un pi en fait? Un pi, ça veut juste dire que c'est pas sacré.
Par contre, t'as écrit quoi, du coup, trésor? Derrière. Derrière. Ah oui. Ah oui, ah, oui, ok. Parce que moi, je une céréale, trésor de Kellogg, Pécrieré. Pécrieré. Bah, Pécrieré, quoi. Pécrieré. Une croquette s'échappe en criant Pécdrigre. 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 C'est parti en couille. Une gaufre provoque un grille-pain en duel. Oh putain, j'ai pas eu ça. J'avais pas de grille-pain. Ah, c'est un grille-pain, d'accord. Ah. Une gaufre miel boxe humangasque. Ah oui. Ah, je vois, hein. Ah, je vois pourquoi est-ce que moi j'ai eu ma phrase du coup. Emo Basket noir joué au basket. Bah ouais, ouais, là c'est. Ouais. Ah, trop beau. Ouais, ouais, du coup, malheureusement, c'est raté. C'est un final. C'est raté. Pas ce que j'ai en tête. Alors que Zugi vient me taunter dans le chat. Bonsoir Zugi, trop easy Bernard. Bonjour, Zugi qui n'a même pas souhaité l'anniversaire d'Ayumu. Hein. Pff, la déception. Quelle hein. mauvaise personne. La déception, hein. Vraiment déçu, choqué, déçu. Tu peux rejoindre un nouveau Swadash, c'est possible. Bon, après, Zugi, je te bâche comme ça, mais uniquement parce que j'ai les boules que t'es one-shot Bernard. Hein. Zugi qui one-shot les boss de Bravely Default. Forcément. Alors, il nous faut une phrase. En même temps, hein. Une phrase. J'ai une musique de Portal dans les oreilles, mais de Portal dans les oreilles, mais je vais pas vous mettre GLaDOS. Personne, il y a des gens qui, il y a des gens ici qui vont pas trouver si je marque GLaDOS. Ça risque d'être chaud à dessiner aussi GLaDOS, hein, parce que. Oh, c'est facile. Mais non. Je te la fais de tête. Je te la fais de tête. Elle est super simple GLaDOS. Il y a un boss qui s'appelle Bernard dans Bravely Default 2, ouais. Bernard. Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle en japonais. Il faudrait que je refasse le NG+ mais en jap. Quand je ferai mon NG+ en difficile de Bravely Default 2. Je le ferai en jap pour voir la voix de Bernard. Enfin, juste pour entendre. Il y a un boss qui porte mon nom. Il s'appelle. Oui, c'est vrai. Bernalu. Bernardo. Ce serait trop bien. Berunaru. Putain, j'ai pas d'idée. C'est là où il s'appellera juste Jean. Il s'appelle Jean. 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 Boss de sa région, Jean. J'en ai une super. Ouais, ouais, j'en ai une. C'est bon, vous êtes prêts? J'en ai une, elle est pas mal aussi. Allez, c'est parti. C'est parti. Oula. Je pense que mon cerveau a littéralement sorti cette phrase comme un paix. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est une vanne! Mais non, mais il y a quelqu'un qui mate le stream. C'est trop bien. Quelqu'un t'a sorti la même phrase que toi? Elle est encore plus dure à faire que la mienne. C'est super dur en vrai à faire ce que vous m'avez fait décider. C'est hyper dur. C'est super chaud. Ah, comment je dessine ça, bordel? Putain, je sais pas dessiner. Comment je dessine ça? Ok. J'en ai fait une hyper dure, t'as peut-être tué la mienne. J'utilise une tablette graphique pour la première fois de ma vie là. Ah, c'est facile les tablettes graphiques en vrai. En vrai, t'as un coup de main à prendre, mais une fois que t'es dedans, c'est facile. Écoute, finalement, c'est pas aussi dur que ce que je pensais. Ouais, voilà, ouais. En général, c'est ça que les gens disent, hein. Tu te rends compte assez vite qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je crois me souvenir que c'est un truc genre comme ça. Mais c'est n'importe quoi, hein, ce que je dessine. Ça veut rien dire.
Putain, mais comment je suis censé dessiner ça, moi? Je vais pas y arriver. Je crois que mon dessin, il va partir en couille. Hein. Oh là là, je suis pas dessiné. Ça part... Si ça part pas en couille, je sais pas comment ça peut. Ah, je sais pas si j'ai le temps pour refaire l'autre. Ah, j'ai peut-être le temps pour faire l'autre. Ouais, non, j'ai pas le temps. Trop chiant ça, quand tu quand t'arrives à la fin de ton dessin, tu dis que le début, il faudrait le refaire. Mais j'en suis là, là. Si t'as pas le temps, parce ouais, que... C'est indessinable, le truc que j'ai. Ah moi, là là, je pense que ça, ça va pas être reconnu. Genre, je pense que Cyberlingo, c'est super dur à mon faire. Dessin, il comprend. C'est mais super dur à faire, je pense que malheureusement... Ok. De quoi? Putain, mais... Dit, moi, je comprends pas non plus ce que je vois, là. Ah là 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 là. Je pense pas que ça doit être ça, mais je vais quand même être ça. Merde. Ok. Là on arrive à un point où ça devient trop compliqué. Non ouais non là c'est parti beaucoup trop en couille. Ok. Non 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 non. Faut pas écrire. Faut pas écrire des choses dans un décalé. Moment tu te rends compte que t'écris trop. Ce moment il est un peu gênant quoi. Pas facile hein. Non 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 non, faut pas que je fasse ça. Faut que je fasse ici. Ouais, par contre mais le niveau que j'ai en bonhomme bâton, enfin il est absolument insane. Ah ouais, la tablette graphique, j'espère bien. Hein. Arrête, laisse-moi tranquille. Oh bordel. La musique. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ces appareils en vrai? Putain, je me pose une vraie question les viewers. Est-ce que ça existe encore ça aujourd'hui? Les sonotones? Non, 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 non. Ce que je suis en train de dessiner, est-ce que dans le chat vous pouvez me dire si ça existe encore? Ou est-ce que ça a été remplacé comme le reste? Comme tout, comme nous, bientôt, bientôt c'est au remplacement. Par ceci. Oula, c'est un peu méchante la blague. Non, mais en vrai, vraie question, vraie question. Vraie question. Oh. Bah, c'est une vraie question, on peut te donner une vraie réponse. Oh, waouh, 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 waouh. Ah putain. Ok.
Ok. Attendez. C'est fou comment on voit vite les limites des bonhommes bâtons. Ouais. Hein. C'est avec effroi que je me rends compte que... Moi aussi, j'ai été effrayé la première fois que j'ai vu que c'était pas infaillible. Pourtant, la technique était si bien, quoi, je vois. Ah là 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 là. C'est pas terrible ce dessin là, je suis pas très en forme. Des bisous à toi sur Ruth. Ouais, aussi, c'est un t'imagines peu qu'à l'école ça existe encore. Il y a moyen, hein, Jarder, mais je suis quand même pas sûr. Hein. De quoi? Qu'est-ce qui existe encore à l'école? Bah l'appareil en question. Écoutez, voilà. Écoutez, voilà. Non, mais il y a... Est-ce que t'as d'autres choses à nous dire sur l'artiste, voilà? Quoi? Bah, tu nous dis, écoutez, voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Curie, mais arrête! Arrête! Arrête de faire des choses comme ça! Arrête! Arrête! Quoi? Curie, ça suffit. Curie, ça suffit. Arrête-toi. Ouais, genre, il fait du bon son commercial. Après, genre, je peux pas t'en dire plus, mais je ouais, suis genre. Trop drôle. Il est à ses côtés. Putain de. Un petit plaisantin va se prendre une énorme tarte de son père. Merde! Masters 2. Voilà! Vite! J'ai bientôt plus le temps! Non! Ok, aïe 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 aïe, il a pas fini d'écrire! Truc de merde! Alors! J'ai jamais assez de place! J'avais lancé un. Hein. Academia contre Naruto. Ah ouais. Forcément. Curie, ton dessin est au-delà de mes espérances. Au-delà de mes espérances. Naruto versus un homme vert avec des bottes. Naruto versus homme. Naruto versus Wild. Utilise la technique ancestrale. Au moins, on est Naruto. Est-ce qu'on a eu Naruto jusqu'au bout au moins? Naruto blabla Jujutsu défonce ses adversaires. Ok, bon, on a au moins eu Naruto. Qui c'est qui? Pédaler dans la semoule, bon courage. Ah, alors c'est pas celui d'Ayumu que j'ai eu. Je crois que Berlingo et moi on a eu une connexion mutuelle en vrai. J'ai jamais eu pédaler dans la semoule. J'ai pas compris. En fait. Une attends. Personne sur un jet ski. Ah, okay, beau gosse qui fait du beau jet ski sur une belle mer. Alors honnêtement, moi quand j'ai vu beau gosse fait du beau jet ski sur une belle mer, je me suis dit comment est-ce que je peux dessiner décemment un mec qui fait du jet ski sur sa belle mer. Et malheureusement, j'ai laissé tomber. Mais j'étais persuadé qu'il y avait un truc à faire. Sur la mer avec scooter à quoi? Ah là 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 là, richissime plaisancier. Malheureusement, la smoule a été trop vite perdue. Game Freak annonce l'arrêt des jeux Pokémon. C'était chaud. Ah, mais ah. Celui-là, par contre, ça c'est un enfer. Genre, j'ai fait un couleur. Nouvelle annonce d'un Pokémon. Aïe 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 aïe. Ça y est, tout l'inverse est passé. Tout l'inverse est passé. Alors, tout à droite, c'est une tentative de. Une personne a l'air bête se réjouit du nouveau Pokémon. Elle a l'air bête. Yes! Bah, il a l'air un peu bête ton bonhomme Curie. Sans vouloir être méchant. Il est choqué, il est. Oh ah ouais. What the la sortie du nouveau Pokémon sur Switch rend heureux. Rend heureux. Parce que la merde qui fait que c'est genre. Ah bah, il avait l'air super heureux. Perlingotine, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ah oui. Perlingotine, je crois que c'est le seul dessin de la série qui aura ton.
comment dire, ton animé de rêve en bien dessiné. My Tractopelle Academia, j'ai essayé de faire My Tractopelle Academia, c'était très compliqué. Un lycéen Tractopelle dans My Hero Academia. Oh, bien joué, Curie. Bien joué. En vrai, c'est solide, solide. Ah, c'est perdu, ça y est. Un club de curling. Un club de curling au lycée. Ah, oh, le savez-vous d'ailleurs, les clubs de curling, contrairement à tous les objets... Oui, les palettes curling. Sur de la glace, ils tournent dans le sens inverse dans lequel vous les lancez. C'est dingue. Contrairement ça. Eux, masters de curling, noble discipline. Contrairement au reste. Non mais c'est fou ça en vrai. Mais c'est vrai, Gerder, et les scientifiques n'ont pas d'explication à ça. Un masseur masse alors que son établissement s'effondre. Putain, j'ai ça. Ah waouh. Ah waouh. Ah oui, oui. Oui, bah oui. Ah, forcément. Un père tire la chaise quand son enfant essaye de s'asseoir. Franck. Un homme fait un prank en retirant la chaise. Ok, l'idée de la chaise est toujours là. On a perdu le masseur et on a perdu l'établissement qui s'effondre. Petit plaisantin va se prendre une énorme tarte de son daron. Malheureusement, c'est jamais passé. Le téléphone sonne la charge. Ah, okay. Ah, ça a été perdu, ça. Ah, c'était pas mal pourtant. Calculette en cours de charge. Ah, c'est dommage. Du coup, la vraie question, c'était est-ce que les calculettes physiques, ça existe encore, en vrai? Ouais. Oui, moi j'ai une calculette physique. D'accord, ok. Une Texas Instruments 85. Je pense que dans les collèges et les lycées, t'as pas le choix, Pocket, parce qu'ils vont pas te laisser utiliser ton smartphone. Oui, ils vont pas te laisser utiliser ton smartphone, c'est vrai, c'est vrai. Puis quand tu vas arriver pour faire les graphiques et tout, genre... Une calculette branchée. Une calculette branchée. J'aurais dû faire une casquette, ça, du coup, elle aurait été branchée. Ah là là, mon téléphone s'est perdu. C'est mat. C'est mat. C'est mat. J'en ai marre. Sardoche dans un bonjour. Commet un ice cream. Dans un bonjour. Ah. C'est le nord armé d'un métronome sur son fond vert. C'est là qu'il est arrivé. Ah, ça a été perdu. À mort les patates. Un streamer sur Twitch dit à bas les patates. À bas les patates. Ah, c'est vrai que sur YouTube, on dirait clairement un économe. On dirait un économe. Oui. Un Willy Waller. Oh. Par contre, moi je vous laisse les gens. Ouais, eh bien, des bisous à toi, JPP, également Sodage, du coup, passez une bonne soirée. En bientôt. Yes. Bien merci à vous d'être passé. N'hésitez pas à quitter la salle hein, pour éviter de. Ah, alors, Sodage l'a fait. Twitch l'a pas fait. Il est assez génial. Ouais. Et bien sur ce, bonne fin de soirée à vous. Bonne soirée bonne à toi. Soirée. Des bisous. A plus. Bisous, bisous. Et je vais devoir sortir Twitch à la mano. Et oui. Ok, alors 5 phrases. Je vous propose de relever le défi du challenge en passant en secret. Ah là là. Et on va se mettre une durée lente. Faut faire plus simple du coup ou on s'en fout? Alors je pense qu'on peut se laisser plus de temps. Du coup, vu que j'ai mis durée lente. Donc juste le temps de trouver une phrase. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors après, pensez à des phrases qui... Ouais, en secret... Qui sont pas non plus, voilà, impossibles à faire. Mais c'est vrai que vous pouvez vous lâcher un petit peu quand même, j'ai mis du temps pour le dessin. Alors... J'ai envie de voir ce que vous serez capable de faire en mettant ça.
Allez, vas-y, ça va être facile. Vous en avez une ? Oui, j'en ai une. Allez, let's go. Let's go, let's go. On va pouvoir prendre bien du temps pour dessiner. Let's go. Ah oui, si tu vas trouver son Momo, il va me détester, je pense. Ah oui, on a vraiment le temps, là. Il y a le temps, là. Oh, alors... putain. Oh, putain. Oh, waouh. J'ai mis un visage, un truc que j'ai fait, mais j'ai mis le visage après avoir dessiné les corps, du coup j'ai aucune idée s'ils sont centrés ou quoi. On a beaucoup de temps pour dessiner du coup par contre. Là il y a quand même un concept. Il y a un concept. Oula. Est-ce que ça marche de faire CTRL Z? Non, CTRL Z ça marche pas, ça fonctionne. 1, 2, Curie, 17 ans, prof de philo, putain, génial, hein, énorme. Hein. Un plaisir. Hein. Le cassage de couilles, ouais. Ouais, bah, prof de philo, quoi. Oh, ouais, monsieur là. Hein? Hein? Je connais des profs de... Oh putain. Je connais des profs de philo qui seraient bien tristes à vous entendre parler, jeune homme. Ouais bah mon prof de philo il est un peu chiant quand même. Je pense que j'ai fait un truc pas dégueulasse. Je sais pas si ça a été bien... Si ça va être bien capté ou pas. J'y vois plus assez, je peux plus retoucher, je comprends plus rien. j'ai peur que ce soit un énorme gribouillis là. On va recevoir une feuille noire. Hein. Entièrement. Non, a priori non, mais ouais, j'arrive plus à retoucher là. Ouais, je crois qu'il y a trop de temps. Ah bah non. Oh merde! Non, mais bah, on peut appuyer. Oula! Ouais, y a quelqu'un qui a eu du mal à retoucher aussi, je crois. Effectivement, je pense, Curie, que les visages ne sont pas au bon endroit. Ah! Enfin, bref. J'ai donné ma propre interprétation, du coup, de ce que je voyais. Mais c'est pas vrai. Ah oui, quand même. Je vois plus que je dessine, alors ça va être quand même chaud. Ouais, faisons ça. Au moins, on n'est pas pressé par le temps, c'est le fait qu'on voit rien qui nous fait finir. Ouais, qui nous fait finir. Hein. C'est à la fin par dépit. Bon bah. Bon bah, ça ira. Hein. À mon avis, le dessin est parti en couille, mais bon. Bah, moi, le problème de mes dessins, c'est que d'abord je fais les contours, puis après je fais ce qu'il y a dedans. Oui, parce que je suis con. À côté. Au lieu de d'abord faire ce qu'il y a dedans et ensuite faire le contour, qui à mon avis est bien plus simple.
Bah surtout quand t'as oublié où t'avais fait le contour et que tu dessines ce qu'il y a dedans. Non mais en fait, je pense que c'était mon dessin. En fait j'ai fait tous les contours, puis j'ai fait les trucs qui avec, et après j'ai fait les visages. Okay. What the fuck. Oula. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Je crois qu'il y a eu des gens moi, qui ont eu du mal sur ce truc-là. Alors, ça va aller vite, très vite. Pikachu fait du surf par Hawaï. Ah, je l'ai eu. Enfin, j'ai eu Pikachu qui fait du surf. Ouais. Ok. Wow. Pikachu Zoe Poké Park qui fait du surf. Oui, Poké Park. Oui, Poké Park qui fait du surf. Ah, ça va. C'est pas... Franchement, pas dégueulasse. Pikachu fait du surf, l'air réjouit sous le soleil des tropiques. Sous le soleil des tropiques. Et on est revenu. C'est plus Hawaï du coup, mais ouais. Bah, les tropiques. Ouais, c'est Poké Park. Ah non, ouais. Poké Park, Hawaï, c'est un peu. Le soleil des tropiques, c'est. La tour Eiffel sur la lune. Ah, c'est la tour Eiffel. Ah, la tour Eiffel a disparu. Ah, c'était la tour Eiffel. Ah, ouais. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ah, ya, 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 ya. Alors, moi, j'ai hésité avec un truc graveleux. Genre, j'ai failli dire les Américains ont foutu un strap-on sur la lune. Et puis, je me suis dit, vraiment, c'est dégueulasse. C'est on va pas faire ça. Les Américains ont atterri sur la lune. Je me suis dit quand même, on va rester respectueux. On avait dit qu'on faisait un BR de potate. Hein? Un BR de potate. De potate. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien. C'est mort que joue au badminton. Ah oui, forcément. Franchement, franchement, on est bien, non? Deux feuilles d'automne jouent au badminton. Oh, incroyable! Ah, je suis désolé pour vos potates, mais mes feuilles mortes qui jouent au badminton ont quand même vraiment trop la classe. Potates, Trop belle. Alors, Curry. Un scientifique résout le grand mystère du curling. Moi, j'ai eu ça, putain, les gars. Du coup, tu sais pas ce que c'est que du curling, Aldrin. Non. Le curling, c'est un palais lancé. Ouais. Ouais, mais moi la différence l'équipe entre le curling et le hockey, tu vois. Eh oui, forcément. Ah ouais. Wow. Ah oui. Elle a fait un des homme sciences. Qui travaille dans une centrale nucléaire a eu un P. A eu un P. C'était quoi un P, Berlingo? Ah, Berlingo, je sais pas s'il s'est mute. Il est peut-être mute physiquement depuis tout à l'heure et genre il parle et personne ne l'entend. Berlingo, traduis-nous. Eh bah oui. Aïe 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 aïe, ça fait depuis une heure et demie que Berlin Haut est en mode haha, trop énorme et tout, mais pourquoi il rigole pas mes blagues, je dois vraiment pas être dans le coup ce soir, c'est affreux. Eh bien non Berlingotine, ton micro était muté. Aïe 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 aïe, malheureusement, tu as eu un P Berlingo, un problème. Sauron arrose les fleurs. Par contre du coup je sais pas ça fait combien de temps que je suis. Ah ça j'ai pas eu Sauron arrose. Ah mais c'était ça. Aïe 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 aïe. Il s'est un peu décalé, il mais s'est c'est décalé. Bien ce que c'est rose, c'est fleur. C'était son rouge. Une rousse. Aïe aïe aïe, une rousse. Dommage. Le détail rousse. Une personne jardine gaiement en arrosant son gazon verdoyant. Putain, j'en peux plus. Ah là 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 là. Un secret en rapide. Un secret en rapide, c'est impossible. Bah si. On peut essayer un secret en rapide. Allez, on essaye ça. Sauron s'est perdu si vite. On va pleurer, hein. On va pleurer, hein. En deux spi. En deux spi. Comme on dit chez les Jeunes. Alors. Vous connaissez les Jeunes? Du coup, faites des phrases faciles. Là, pour le coup, faites un truc genre vraiment super simple. Ah, ok, je sais.
Ok, j'ai une phrase. C'est bon pour vous? Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Le problème, c'est que je sais pas écrire. C'est vrai que... C'est un problème qui touche un peu tout le monde, t'inquiète. Ah oui! Nice, alors... c'est génial ça. On avait dit simple, hein, en fait. Ah, mais comment je peux... Enfin, oui. Allez. Moi j'ai effectivement eu un concept très simple. Je sais pas qui l'a fait mais c'est très bien joué. Ah, je vois plus ce que j'ai dessiné, ça va être n'importe quoi. Wow. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quoi? C'est censé être simple ça? Après, quand les gens interprètent les trucs, ça devient beaucoup moins simple. Ah oui. Ah, j'espère que je suis bien parce que sinon ça va être la merde. Oh zut. Ça va être. Très compliqué à comprendre. Oh merde, j'ai envie de faire une modification mais je me souviens plus où j'ai mis mon objet de base. Bah, c'est pas grave, on va le faire quand même. Oh. Oh. C'est John. J'ai compris. Ok. C'est bon. Deux personnes, vite. Ok. Attention, mesdames, messieurs, nous avons. Crocodile en salopette. Ah, ah c'était toi. Trop mimi, la salopette trop petite. Il est trop bien ton dessin, Aldruin. Il est trop bien. Un il est super. Un crocodile anthropomorphe avec une salopette. Oh, putain, bien joué. Ok, ça a été gardé, ça a été gardé. Ah, le anthropomorphe et le crocodile ont un peu été perdus, la salopette est toujours là. Un croco va au sport. Ah, c'est dommage, on a le crocodile jusqu'au bout. Le croco qui va au sport, puis après va finir en logo de Lacoste. Voilà. À la fin, t'as une salopette Lacoste. Et à la fin, t'as une salopette Lacoste. Super tomate. Même si Lacoste, ils font des trucs en tissu, donc... Est-ce que j'ai réussi la super tomate? On peut faire du tissu avec du crocodile. Super voilà. Tomate. Waouh. Trop bien. Super tomate à la rescousse. Ah yes. Là, on va voir. Ah, ça passe. Ça passe. Super tomate à la rescousse. Oh yes. Bravo. Bravo. Un homme gaillard se cosplay voilà, en... Voilà, qu'est-ce que tu veux faire ça? Ah ouais. Je vois. Ah ouais. Ah ouais, bah du coup... Une femme à barbe. Alors en vrai, on est sur le... l'inverse, mais... Quelle est la connerie que Curry va avoir sorti là-dessus? J'ai peur. J'ai pas vu que c'était le dernier. Cheveux blonds et à barbe. Ah ok, tout va bien. J'ai pas vu que c'était le dernier, alors du coup je me suis dépêché d'écrire. J'ai aussi que c'était le dernier, j'aurais plus réfléchi, je pensais écrire des conneries. Encore une victoire pour Super Tomate, nous dit le chat, tout à fait. Froid. Ah, des raviolis froids. Malheureusement, les raviolis n'ont pas survécu. Malheureusement, les raviolis n'ont pas survécu. Il fait froid, BRRR. Malheureusement, les raviolis n'ont pas survécu. Il fait froid. Il fait froid. C'est plus, les raviolis ne sont plus froides, il fait juste froid. Le fromage se rebelle. Ah, il se rebelle. Non, c'est,
Eh, hey, en vrai, il est pas si mal, mon fromage. Bah ouais, mais il est pas rebelle, là. Il fait la fête. Un fromage. La rébellion est partie. Et bah ouais. En fait, que j'ai fait un... Il y a de la profondeur sur mon fromage. C'est vrai, Curie, t'as fait une perspective. En fait, quand tu vois pas ton dessin, tu fais vachement mieux la perspective. C'est vrai, Curie, c'est fou, ça, en vrai. Comment ça se fait? Un gruyère heureux. Bah ouais, ouais. Gruyère heureux. Ah, malheureusement, ça n'a pas subsisté. Bon, les viewers, je vous propose de faire une dernière petite partie. À nouveau, secret rapide. Encore une fois, un concept simple. Mais Curie qui réussit ses perspectives en blindfold, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comme quoi, peut-être que ça te fait plus bosser ton image mentale, Curie, en vrai. Je sais pas, j'étais pas si sûr ça se trouve, quand je fais le truc. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. Peut-être que ça te fait plus bosser ton image mentale et que tu réussis mieux, du coup. Ok, j'en ai un. Attends, c'est faut que je réfléchisse. Oula. Ok, c'est bon. Tout le monde est bon ? Ouais. Oui. Ouais. Allez. Allez, allez. Ok. Je pense que mon mot il peut paraître difficile au début, en fait, quand je suis passé. Alors, c'est quand même vachement chaud. Je sais pas comment je suis vraiment. On s'est dessiné ça. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Ok. Je pense qu'on est bien. Moi j'ai juste peur à quoi ça ressemblait mon dessin bah, dans le noir. J'ai un peu peur aussi. Mais... Ouais, là, je fais de la merde. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain! Putain, c'est balèze en vrai, hein. Quoi, mais... ça je là. Parlais avec Sécurie. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est... Tu parles avec Sécurie quoi? Qui a donné l'idée de base ou qui... qui a écrit ce truc-là, je sais pas. C'est trop, voilà. C'est trop, voilà. Merde. Je comprends ta douleur. Bah ouais. Oh non. Je sais pas ce que je fais. C'est horrible. Comment déjà? Oh putain, je... Ok. Je crois que je fais tout. J'ai très peur de ce que ça va donner. Parce que je pense que le remplissage va tout péter. Ah. Mais je pense que je suis bon. Le remplissage c'est dangereux dans le noir. Hein. Ouais. Je pense que mon truc est niqué. Ça fait rarement ce que tu veux. Alors, j'ai un truc qui a l'air pas mal, mais je suis incapable de reconnaître ce personnage. Parce que ça doit être une ref que j'ai pas, ou un truc comme ça. Merde, mais on a pas le temps! Ah putain, ouais, j'ai pas eu le temps. J'étais en train de bugger sur la phrase, putain, je suis trop con. Mon cerveau a pas réussi à analyser ce que c'était, du coup j'ai bugué et je me suis dit que j'avais le temps. Pareil. C'est parti. Ah, malheureusement, il va y avoir deux dessins une qui sont pas au fond. Une manette de GameCube. Ah, bah c'est plus une manette de GameCube. Ah, mince. Limite, elle est choquée, tu une sais. Une manette de Xbox. Aïe, 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 aïe.
J'ai pensé après que ça devait être une manette de GameCube, mais je m'y suis mal. J'ai pas une eu le temps de manette de Xbox. Ah là là, la manette de GameCube a été perdue. Finalement, la manette qui est morte. Le manoir de Luigi. Ah, alors la personne qui a fait le dessin est incroyable. Je vous le dis. Perlingo, c'est ouf ce que t'as fait en vrai. Luigi's mention. Aldrin, on a eu marre. Luigi aspire un être fantomatique avec un aspirateur sur. Non, ça se reconnaissait. Trouvé en plus. Quoi il a fait? Je sais pas. Il a des super pouvoirs. C'est trop bien joué. Eux qui a one for all à 10 000%. Ok. Une mandarine super saiyan. Ah bah, c'est bien, ça. Oh putain, mais attendez, vous vous rendez compte? Par contre, stop, on arrête 2 secondes. Franchement, le remplissage était au bon endroit. Les traits étaient pas fermés, donc ça aurait tout explosé. Mais le remplissage était au bon endroit. Ah, oh, c'est dommage. San Goku sans bouche. Ah, c'est tellement dommage. Ah, je suis tellement triste. C'est bon de deviner le Luigi de Aldrin. Ouais, bah oui, ce Luigi, mec, on n'aurait pas... En fait, à la base, je pensais que c'était un truc avec un capillaire. Puis en fait, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un rond, et je me suis dit, attends, vert, fantôme, vert, rond. Fantôme, rond. Ah, Luigi. En fait, j'ai commencé à faire sa casquette, après j'ai mis son visage, et après j'ai perdu où il était. Et oui, et du coup, tu t'es dit que mettre un L, c'était trop compliqué. Ouais, c'est... Je savais plus où mettre le L. Putain, je suis trop fier de ma mandarine, en vrai. Une bouteille d'eau alcoolique. 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 Ah. De l'eau ivre. De l'eau ivre. Et ouais, voilà. Et là, c'est le dessin qui m'a fait bugger. Moi, j'ai je crois que j'ai voulu dire... Un briquet se noie dans l'alcool. Un briquet se noie dans l'alcool, j'ai voulu dire. Malheureusement... J'étais pas dedans du tout. J'ai trop bugué. Un chien sur un skateboard. Oh là là. Oh, ça marche. Il est trop bien. Il est trop bien. Je suis trop heureux de voir ce résultat. Un chien à tête de canard fait de la planche à roulette en Y. Je te déteste. Skate. Skate. J'ai tellement bugué que j'ai pas besoin d'écrire. Oh, la voix est tellement, la voix est tellement bien résumé le truc en mode skate. Skate. Ah, parfait. Ah, bon les viewers, il est un peu plus tôt que 23h, il est 22h46, mais on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Demain matin, on revient en pleine forme sur Dark Souls 3, donc soyez là. Voilà, et puis des bisous les viewers, merci à vous d'avoir été là ce soir. C'était chouette, on était en petit comité, mais c'était cool quand même. Bonne soirée à vous, des bisous, passez une bonne nuit. Pour ceux que je revois pas demain, un bon week-end. Jouez pas trop à Monster Hunter, la version démo refaite avec le Magna Malo. Et puis voilà. Des bisous. Moi je vais attendre le 26. Ciao, ciao. Ciao, ciao les viewers. Des bisous.